La chance que ça a été une bonne course, ça s'est bien déroulé. C'était bien agréable de travailler avec l'ensemble des personnes. On est satisfaits. Non, on s'en va. Peu importe ce qui arrive, est-ce que vous avez déjà une stratégie pour la suite? On va attendre le jugement, parce qu'on va élaborer sur la stratégie. D'entendre justement toutes les raisons évoquées pour, notamment celle de la nouvelle du règlement, est-ce que vous remettez en doute votre stratégie? De quelle manière vous percevez comment vous avez abordé cette situation? Bien, je pense que c'est acceptable. C'est de bonne guerre de part et d'autre. Il faut voir l'appréciation du jugement. Pourquoi il n'y a pas eu une demande de nullité sur le en fait, ça a été déjà discuté ça, lors de la requête en virus. Qu'est-ce qui la requête en virus disait que justement, soit utilisé. En fait, la nullité du règlement n'était pas en question. On savait que le règlement était nul. Ça avait été, c'était évident, ça fasse même à partir de l'article 246. Donc, ça ne présentait pas de difficulté. Puis d'abord, l'élan de solidarité s'est manifesté. Il y a eu des gens qui se sont présentés toujours pour démontrer leur soutien à l'Institut-Gauche. De voir ça, que ça touche autant tout le Québec, qu'est-ce que ça vous a dit sur justement cette histoire-là qui vous oppose vraiment à la municipalité? En fait, les gens qui sont ici, qui ont ont été très sympathiques, ont été à l'intérieur, ont été bien polis, ils ont eu l'histoire. Alors, on a tous été bien polis. Mais comment vous percevez ça? Justement, ça interpelle les gens. On voit qu'il y a des gens de Québec qui se sont portés juste comme des autres. Il y a eu des représentants. Ce sont des gens qui, effectivement, veulent défendre l'environnement, veulent défendre leur communauté contre des interventions qui jugent non seulement. Monsieur Savoie, beaucoup de citoyens se posent la question face à la crise climatique qui se développe. C'était encore pertinent de vouloir exploiter les hydrocarbures. C'est quoi votre position par rapport à ça? Ben, en fait, c'est évident là, que pour moi, en tout cas, là, qu'il y a un lien entre les deux, mais ça va prendre encore plusieurs années, là, même plusieurs décennies, là, pour se rendre à des utilisations. Mais en fait, les derniers rapports qui ont du GIEC démontrent que en ayant dépassé le 400 particules par million, vous êtes au courant, qu'on est rendu dans un niveau dramatique, si on peut dire, au niveau du réchauffement climatique, et qu'il est absolument urgent de quitter l'industrie des énergies fossiles. C'est quoi votre position? Ben, en fait, le 400, c'est un point important. Et on a eu un ralliement au niveau mondial pour maintenir à la baisse le nombre de migrants, mais ça va être un long processus, ça va être un long processus, et malgré l'ensemble des interventions qu'on peut faire avant d'avoir des alternatives, ça va prendre du temps. Et vous, personnellement, par rapport au réchauffement climatique, c'est quelque chose qui vous inquiète? Oui. Comme la plupart des citoyens, je crois. On est inquiet de la situation. Non, je ne sais pas. Parce que pour ramener peut-être un petit peu l'affaire, parce que je ne sais pas. Thank you.
mercredi.